Demander les excuses, c'est pas synonyme de faiblesse. Le rendez-vous était pour 19h, mais j'étais quelque part et vous savez, notre pays a des embouteillages. Donc je suis arrivé à la maison un peu trop tard, voilà. Et directement, j'ai dit, je dois me permettre de faire ce live que je vous ai promis. Donc nous devons partager le live au maximum pour qu'il y ait plus de personnes, voilà. Donc mes excuses parce que le rendez-vous était à 19h et nous sommes à 20h déjà. Une heure de temps de retard. C'est de ma faute parce que une promesse est une dette. Et nous devons construire un nouveau Cameroun. Et construire un nouveau Cameroun, c'est apprendre à se mettre aussi en genoux. Voilà, apprendre à se mettre en genoux quand on a tort. Voilà. Donc nous avons parlé de l'affaire Nouran Fortin et le policier. L'intercation que tout le monde a vu là, et puis, et que chacun peut donner son avis. Comme j'ai souvent dit dans la vie, quand quelque chose se retrouve dans les réseaux sociaux, ça veut dire que chacun peut donner son avis. Et c'est clair, surtout quand ça fait partie de la République. C'est-à-dire, un député, un policier, chacun doit donner son avis et dire la vérité. Parce qu'on doit, profiter d'un cas pour parler à certaines personnes qui ne veulent pas comprendre, qui s'entêtent toujours à forcer. Et nous devons dire la vérité. Voilà. Donc, consommer du jus de canne, c'est bien pour la santé. Voilà. Donc, nous tous, personne n'ignore ce qui s'est passé l'autre jour à Bafoussam. Voilà l'une de nos soeurs, une compatriote camerounaise. Parce que pour moi, j'ai de la peine à dire député. J'ai de la peine à prononcer ce mot-là, député. Parce qu'un député, ça se respecte. Un député, c'est au service de la République camerounaise. Oui, pas ce genre de député qu'on a vu là. Quand on décide d'être député, quand on décide de servir son pays, quand on décide d'être quelqu'un élu, un élu de la nation, on ne doit pas être quelqu'un de complexé. Dès lors que tu es élu de la nation et tu es complexé, ça veut dire que tu n'es pas servi le peuple qui t'a positionné là-bas. Tu pars te servir. Et c'est pourquoi vous écoutez ce genre de langage-là. Mon macaron est arrivé, maintenant c'est là. Aucune personne ne peut m'interpeller en route. Ça veut dire que déjà, quand tu vois quelqu'un tenir ce genre de langage-là, cette personne va se servir. Parce que quelqu'un qui a rêvé, qui a bagarré être député là, en vrai, quelqu'un qu'on n'a pas fabriqué de devenir député là, hein, a des comportements qu'il faut. Ah oui, a des comportements qu'il faut. Quelqu'un qui est prêt à laisser sa vie, à aller en prison, quelqu'un qui a fait la prison, quelqu'un qui a souffert pour obtenir quelque chose, n'est pas là pour blaguer. N'est pas là pour blaguer.
Regardez ailleurs comment la politique fait vieillir les gens. Regardez ailleurs comment la politique fait vieillir les gens. Obama, nous nous souvenons d'Obama. Après quelques temps, quand il a été élu, on a vu les cheveux blanches. Que les cheveux d'Obama étaient devenus blanches. Pourquoi? Parce qu'il est au service. Il s'en donne beaucoup. Il donne tout de lui-même. Mais au Cameroun, on a des gens, les députés, voilà les jeunes qu'on a dit, allez nous représenter, bagarrer pour la cause de la jeunesse. Mais quand vous voyez là, c'est trop loin. C'est trop loin. On te remet un macaron. Ce sont les avantages de service que tu as par rapport à ton humilité pour venir servir ton peuple. Mais tu te permets de faire la vidéo pour dire voici. Depuis quand on pense à ça? Ça va rester et demeurer dans l'histoire que tu as été député. Est-ce que tu as besoin de filmer ça? Est-ce que tu as besoin de filmer quelque chose que tu mérites? Et quand tu vois que quelqu'un commence à faire certaines choses, je prends un exemple. Quand tu vois un Bengis, à tout minute, il prend les photos, ça veut dire que c'est un nouveau Bengis. Parce qu'un vieux Bengis n'a plus le temps de photos. J'ai déjà voyagé si bien que j'ai pris les photos, si bien que je n'ai plus le temps de me filmer encore. Je n'ai plus le temps de me filmer encore. Mais nous voyons une députée comme celle-là. Voilà une députée, une dame comme celle-là. Bah, j'ai de la peine de dire qu'elle est députée. Tu vas, mais c'est à Istanbul. Tu retournes au Cameroun. Au lieu de dire Welcome to Cameroun, avec l'aéroport du Cameroun, ou bien c'est à Simalemo, ou bien c'est à Douala, il faut identifier l'aéroport du Cameroun. Mais tu te permets d'identifier l'aéroport de Istanbul. Mais tu écris là Welcome to Cameroun. Mais attends, vous blaguez avec qui même là? Un député, c'est celui-là qui vient dire la vérité. Un député, c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir honte de dire bien, ok, je viens de rentrer, je suis au Cameroun. Oui, vraiment mon souhait, j'aimerais que les aéroports du Cameroun soient comme celle-ci, comme celui-ci. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous avons des gens, elle se permet d'aller à l'étranger, elle rentre au Cameroun, mais filme-toi dans l'aéroport du Cameroun. Et tu publies sur ta page Facebook, je suis au Cameroun. I'm back in my country. Et tu peux filmer en disant, voici, je suis ici à Istanbul, je suis ici à Paris, voici le Cameroun. Et ce sera une bonne chose. Mais voilà les députés, voilà les gens qu'on dit, on présente devant le public pour venir soutenir la cause de la jeunesse. Mais on ne les voit jamais. À faire tel, vous ne les voyez jamais. Ils sont là pour chercher le nyama. Vous ne comprenez pas. En lui-même du nyama, ils sont là pour renflouer le mangeoire, le compte bancaire. Parce que quelqu'un qui est là pour servir le peuple, non. Non et non et non et non. Non et non et non. Et c'est les causes de ça. Comment quelqu'un est député? Tu sors de la voiture, tu bouscules un policier. Les policiers que moi, je ne dédouane pas. Parce qu'il faut dire la vérité. Au Cameroun, les policiers sont formés pour servir quelqu'un. Pour servir le régime. Et non servir le peuple. Parce que je ne saurais comprendre que dans un pays comme le Cameroun, comment dans une école de police, hein? Comment dans une école de police, lors de la sortie des élèves, on chante qu'en une langue. Parler sa langue maternelle, c'est bien. Donc ça veut dire que tous les policiers qui sont là-bas, ou bien dans une école de police. Mais voilà ce qui montre que non, nous sommes dans un pays tribaliste. Mais oui, voilà ce qui montre que nous sommes dans un pays où c'est le tribalisme qui règne. Un tribaliste institutionnel. Comment dans un pays comme le Cameroun, comme on dit, parce que moi je ne crois pas en ça. Moi, je pense qu'au Cameroun, il peut avoir 5 langues. Parce que tout l'Ouest, là, quand ils parlent, ils se comprennent. Au fait, nous sommes tous les frères. Tout ça, c'est les histoires. Nous sommes tous les frères. Parce qu'il y a les choses que quand l'homme Sawa parle, l'homme américain comprend. Il y a les choses, il y a les mots que quand l'homme Ewondo parle, l'homme le Sawa comprend. On nous a divisés même. Divisés pour mieux régner.
Et le Bamoun va te dire qu'il n'est pas un Bamileke, alors que tout ce qui parle, le Bamileke comprend. Hein? Comment dans un pays comme le Cameroun, quand on dit qu'on veut dire, nous sommes unis, dans un pays comme le Cameroun, comme on dit, de plus de, même comme on nous a divisé pour mieux rien, de plus de 200 et demi, à la sortie des élèves de la police nationale camerounaise pour aller servir son peuple. Comment on peut chanter à la langue du dernier, à la langue de l'ethnie de celui qui est aux affaires, à la langue de l'ethnie de celui qui tient les commandes dans cette délégation qui est la délégation de la sécurité nationale. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc c'est pourquoi on dit le policier là ne peut pas venir pour te faire la paix. Et comme vous aussi, vous êtes des élus fabriqués, c'est le pourquoi il y a eu quoi entre vous. Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui est élu pour aller servir la nation, il est un exemple. Donc déjà, le policier se comporte comme on l'a fabriqué là-bas, comme on l'a formé à l'école pour servir les individus, pour servir le régime. Mais oui, bien bon, il y avait les instructions du gouverneur de la région de barrer la route. Déjà, toi, que tu sois musulman ou pas, je pense que l'État a été fait de manière que nous respectons les religions, toutes les religions. Le Cameroun, c'est un pays laïque. Et que dès lors que tu es élu, tu as le droit de respecter les convictions religieuses de tout un chacun. C'est tout à fait normal. Comme moi, je ne crois pas à toutes ces histoires. Mais je respecte la conviction de tout un chacun. En tant qu'élu, comme on dit, vous devez aller vous faire recycler. Vous devez aller vous faire recycler. En tant qu'élu du peuple, s'il vous plaît, partagez le direct. Nous ne sommes pas nombreux là. Nous ne sommes que 300. Ce n'est pas nombreux. Partagez le direct. C'est important. Ne regarde pas pour toi seul. Sinon, ce que toi-même, tu n'as pas changé. Parce que ce que je dis là, c'est important. Après Malika, c'est parce qu'on a parlé, on a dénoncé que les choses sont devenues normales. Il faut toujours dénoncer, c'est important. Je dis bien que nous devons, le système doit recycler. D'ailleurs, après avoir été élu, on doit aller vous former, avoir un comportement digne de ce nom. Comme toi, tu es la mère de quelqu'un, le policier c'est aussi le père de quelqu'un. Et personne ne donne le droit à quelqu'un de froisser qui que ce soit. Ça, c'est ça une république. Personne n'a le droit de froisser qui que ce soit. Parce que vous êtes tous les représentants du peuple. Même le citoyen lambda est représentant du peuple. Parce que si les citoyens camerounais meurent tous, on va gérer qui? Qui va faire quoi? Nous n'aurons plus de république. Donc c'est le pourquoi, malgré ton humilité, tu restes un être humain. Et c'est le pourquoi on doit vous recycler. C'est le pourquoi même la police, on doit aussi les recycler constamment. On doit changer la donne. Parce que le temps est révolu. Que les policiers se comportent pareil. Je ne suis pas ici pour dire qu'on a violenté une femme, non. C'est la même chose comme l'homme. Parce que quand on violente un homme, lui aussi sent mal. Quand on violente un homme, lui aussi sent mal. Quand on violente une femme, elle aussi sent mal. L'affaire du jeune médecin qui a été assassiné à Bafoussam, c'est une gendarme. Mais c'est gendarme, maître, c'est gendarme. C'est une gendarme qui a tiré sur un jeune médecin qui était encore à l'école. Voilà quelqu'un qui donne la vie, mais on l'a ôté la vie. Qui? Quelqu'un qui est là pour protéger la population a ôté la vie à quelqu'un qui sauve des vies. Dieu donne la vie, mais Dieu passe aussi par ces gens qui sont les médecins, qui sont les enseignants, pour nous enseigner le savoir et pour nous sauver de la vie. Pour nous sauver la vie quand nous sommes malades parfois. Donc c'est pour dire que quoi? Toute personne qui se dit digne a des personnes qui doivent respecter cette terre. Mais on a ôté la vie à ce garçon-là. Père, son homme, médecin. Donc comme je disais, nous devons former nos policiers constamment. Nous devons envoyer nos petits frères,
à l'école de police constamment faire ce qu'on appelle le recyclage. Le recyclage. Parce que c'est très important. Le recyclage. Parce que c'est un peu de trop dans un pays où moins d'erreurs, le policier t'a botté, il t'a giflé. Là-bas, là, est-ce que c'est la politique? Est-ce que là-bas, c'est le MSC? Ça veut dire que c'est déjà dans votre gène. C'est déjà dans votre ADN. C'est déjà dans votre ADN. Le tensionner. Quand c'est un gouverneur, vous vous comportez bien. Les gars, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Apprenez à avoir ce qu'on appelle la maîtrise. Ayez peur de Dieu parfois. Apprenons à avoir peur de Dieu. Parce que personne n'aimerait porter la mort, le sang de Christ sur sa main. C'est bien beau. Tu as bousculé. Cette femme t'a offensé. Oui. Quand on regarde la vidéo. Oui. Mais tu ne te poses pas les questions quand tu dors. Est-ce que c'est normal que moi, en tant que policier, j'ai l'arme, j'ai les galons. Tu n'as plus besoin de te présenter. Parce que dans notre pays, c'est le pays de que tu connais qui je suis. Tu connais qui je suis. Regardez un peu en Europe là-bas. Regardez, il y a une vidéo pareille. Même en France. Le parti de la France est insoumise. J'ai nommé Mélenchon. Vous voyez comment on encercle le bureau d'un député. Comme monsieur, vous n'entrez pas. Mais on ne bouscule pas le député. Quel que soit ce qu'il a fait. On ne touche pas un député. On respecte le député. Et c'est pourquoi nous sommes dans un pays où on forme les gens, les forces de l'ordre, pour servir un système. Parce que sinon, tu ne vas pas voir ce genre de comportement-là. Et c'est clair, tu ne peux pas voir ce genre de comportement. Oui. Et voilà aussi comment quand on fabrique les gens. Voilà comment quand on fabrique les gens. Un député, oui, on t'a donné ton macaron. Maintenant là, personne ne peut m'arrêter en route. Ça veut dire que toi là, tu n'es pas député du peuple. Tu es élu. Tu es élu de toi-même. Tu es là-bas pour chercher ton nyama. Tu es là-bas pour changer encore ta vie. Plus, 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 plus. Quelqu'un va me dire là que non, avant d'être député, elle avait un peu. Mais oui, mais elle est encore partie couvrir que ses affaires. Parce que dès lors qu'on devient un élu et qu'on sert le peuple, mon ami, on vieillit. On vieillit. Ça ne manque pas. On n'est pas là pour aller se montrer, non, pour dire que vraiment j'ai un peu pris du poids. Tu fais comment pour prendre le poids quand tu es député? Comment? Comment tu vas faire pour prendre le poids? Si c'est vrai que tu es député là, tu es au service de la nation. Tu dois bagailler chaque jour. Matin, midi, soir. C'est normal que tu perdes du poids. Mais vous prenez du poids, vous changez. Mais c'est parce que vous n'êtes pas fait pour le peuple. Vous êtes fabriqué pour vous-même. Pour servir un système. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc ça ne sert à rien de crier là sur la toile. Voilà, vous vous êtes entêté pour aller aux élections. Donc que chacun assume. Quand on vous dit que personne ne sera épargné, vous croyez que c'est la blague. Oui, c'est la blague. C'est vrai. Personne ne sera épargné. Et il y a la loi du karma. C'est de ça qu'il s'agit. Et chacun doit payer le moment venu. Le karma dans ce pays. Ceux qui ont trompé la nation, ceux qui ont trompé le peuple, tous payeront le prix. Si ce n'est pas toi, tes enfants ne seront pas épargnés. Si ce n'est pas tes enfants, ce seront tes petits-petits-enfants. Et tous ceux qui sont là vont payer le prix. Tout ta descendant va payer le prix. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je crois à la malédiction. Parce que vous n'êtes rien par rapport à ceux-là qu'on a nommés les pierres, les Mbokassa. Non. Voilà aujourd'hui comment la vie tourne. La vie tourne toujours. Faites beaucoup attention quand on décide de partir servir le peuple alors qu'on nous a fabriqué contre ce peuple-là. Tu ne peux pas te permettre de sortir de la voiture. Tu dis, c'est ton mari qui était au volant. On dit, tu sors, tu remets, tu prends le volant et tu veux foncer. Et que tu as pris la voiture, les policiers ont barré la route. Toi, tu veux foncer. Mais en tant que vrai député, là, mais tu es là, attendez. Comme je disais à l'entrée, comme je disais à l'entrée de ce direct, ce qui est sûr que, même si tu n'es pas musulman, au moins, tu as les relations avec des musulmans. Et c'était la fête du mouton.
Pourquoi ne pas chercher un autre passage pour aller passer ailleurs? Pourquoi c'est là-bas qu'il fallait insister, persister? C'est ça qui montre que vous n'êtes pas des vrais députés. Parce qu'un vrai député, vrai, n'a même pas besoin de mettre les histoires de macarons là. Moi, je vous dis bien. Je vous dis bien. Un vrai député, un vrai élu n'a pas besoin de tout ça. Mais c'est vrai, faut dire la vérité. Un vrai élu n'a pas besoin de tout ça. Est-ce que c'est la personne qui commence et puis découvre que c'est toi, tel? Tu n'as pas besoin de te présenter. Non. Non. Et voilà comment c'est passé au ridicule. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas là. Vous êtes là pour vous faire voir. Vous êtes là pour vos affaires. Pour fructifier vos affaires. Vous n'êtes pas député parce que vous êtes là pour servir le peuple. Jamais. Parce que quelqu'un qui est là pour servir le peuple, c'est les gens qui vont dire que non, voilà tel. Voilà tel là-bas. Tant que quelqu'un est là pour servir le peuple, c'est même le policier qui va dire que madame, vraiment, s'il vous plaît. Parce que pas ton comportement. Pas ton comportement. Et par rapport à la situation du Cameroun, pour éviter le trouble, chaque Camerounais doit comprendre que nos gars là, ils sont formés pour le régime. Donc de cela, il faut faire preuve d'être docile. Et donc, être docile ne veut pas dire que tu es tellement obéissant que tu peux manger les cacas. Non. Surtout quand vous avez accepté de partir servir ce régime. Et quand vous décidez de partir servir ce régime-là, vous avez dit que vous êtes le parti de proposition. Quand on décide d'être parti de proposition, ça veut dire qu'on a décidé de faire alliance ensemble. Et quand vous partez faire alliance ensemble, mais respectez-vous quand même. En tant que député, quand on sort de la voiture, même s'il y a le désordre, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour, bonjour. S'il vous plaît, y a-t-il un autre passage? Que tu sois de confession musulmane ou pas, tu cherches un autre passage. Parce que quand tu vois dans la vidéo, il y a une foule, il y a un bain de foule quelque part là-bas devant. Vous partez où? C'est parce que vous voulez vous faire voir. C'est parce que vous voulez vous faire voir. Parce que s'il y a le désordre là-bas, c'est le même policier qui va te sauver, madame Nouran. S'il y a désordre là-bas, c'est le même policier qui va te sauver. Pourquoi vous ne faites pas la paix avec lui? Vous savez, comme je vous ai souvent dit, j'ai épousé la fille d'un policier. Mon beau-père m'a souvent dit que, à l'époque, quand elle était au nord, il y a cette dame-ci là, la femme qui était ministre, c'est de la condition féminine là. Elle était venue et on les a envoyés là-bas pour faire la garde. Pour faire la garde à l'époque. Il était inspecteur de police. C'était le chef de patrouille ou bien le chef de la délégation. De ceux qui devaient être chargés de la sécurité pour l'événement qu'il y avait du côté du Nord. Mon beau-père dit qu'à l'heure de manger, c'est la dame là. On l'appelle Ayatou. J'ai oublié son prénom. Elle a enlevé sa chaussure pour servir ces policiers-là. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des Bantous. C'est pas parce que tu es député ou bien ministre que non. Tu penses que non. C'est bien beau, tu as l'humilité qui te protège. Je ne peux pas refuser cela. Tu as l'humilité qui te protège partout. Même la voiture du député a l'humilité. C'est clair. Mais vous là, vous n'êtes pas des députés. Vous n'êtes pas des députés. Je vous dis bien que mon beau-père me dit que la ministre là à l'époque a enlevé sa chaussure. Maître Loke chef venait manger. Mon beau-père dit qu'il a mangé correctement avec ses gars. Après chacun est parti se poster. Ils ont compris que hey, vraiment il y a les gens ici qui respectent vraiment encore les hommes. Mais toi tu n'as pas respecté ces papas là. Et je me dis, c'est dans cette querelle là, avec la tension, toi tu es sorti de la voiture. Tu as bousculé le policier le plus âgé. Et c'est ça qui a plus mis le jeune policier, l'inspecteur de police principal qui est à côté, dans les nerfs. Parce que quand tu vois le jeune policier principal, le sang chauffe. Mon frère, changez. Changez, les gars. Tu ne peux pas avoir en face de toi une femme, devant le monde entier. Tu uses la force. Qu'elle soit députée ou pas, tu uses la force. Mais toi, tu as eu tort. Tu as eu tort. Connaissant ces personnes-là, comment on les a formées? Parce qu'on fait semblant de ne pas les connaître.
Surtout que vous les apportez votre soutien constamment. Nous tous, on a les familles, on a les petits frères policiers, non? On a des frères dans la famille qui sont policiers. Le policier qui te respecte bien au Cameroun, c'est quelqu'un qui te connaît. Soit il est familier avec toi, soit il te connaît. Parce que moins d'erreurs au Cameroun avec un policier, ça dégueule. C'est-à-dire que ça finit très mal. Ça finit très mal. Et regarde dans quel pétrin tu es parti entrer. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas façonné pour ça. Vous devenez ce que vous êtes là aujourd'hui parce que vous voulez faire fructifier vos affaires. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au service du peuple. Parce que quand quelqu'un est au service du peuple, il n'a pas le temps de paix à perdre. Il n'a pas le temps à perdre. Mais oui, il n'a pas le temps à perdre. Il est là pour servir. Parce que le temps de rester là, appelez-moi le gouverneur. Il n'a rien à foutre. Il cherche notre passage, il passe par là-bas. C'est que tu t'es entêté de dire que je vais foncer la route là. Je vais foncer. Je vais voir ce qu'on va faire là-bas. Surtout que c'est même la fête qui vient de tes parents. Peut-être tu es musulman, comme tu as dit sur ta page, tu as fêté, tu as prié ce matin avec ta famille, que tu les aimes beaucoup. C'est-à-dire quelque part, tu es musulman. Mais comment tu ne respectes pas le jour même de ta religion? C'est-à-dire la fête du mouton. Ça veut dire que ça ne concorde pas. C'est le jour-là que tu fais un buzz. C'est pas normal. Voilà pourquoi on ne vous respecte pas. Comme a dit le grand combattant Valsero. Mec, c'est-à-dire que vous n'êtes pas des députés. Vous n'êtes pas des députés. Vous êtes là, vous êtes des gens comme ça là qu'on a fabriqué pour venir aussi dire que bon, il y a la démocratie au Cameroun. Les jeunes qui sont là pour trahir la jeunesse. Jeunes députés ou pas, ce n'est pas ça le plus important. Vous êtes à l'Assemblée, vous avez apporté quoi au peuple? Vous avez changé quoi là-bas? Vous avez changé quoi? Aucun combat. C'est bien beau. J'adore parfois faire des dons, tout et tout. J'adore ça. Mais un député aussi doit batailler pour que les choses changent. Un député doit bagarrer pour que les choses changent. Non. Mais oui. Il faut mettre les lois sur pied, sur place, pour qu'on les applique, pour que chaque Camerounais puisse vivre de cela. Parce que dans une société, tout est fait selon les lois. Vous-même, vous voilà. L'humilité même n'est même pas respectée. Pourquoi? Parce que le policier, lui, sait que vous n'êtes pas les vrais députés. Ils savent qu'on vous a fabriqué pour venir animer la galerie. Parce que sinon, il ne peut pas se comporter comme ça. Et vous êtes entêté de partir, crédibiliser ce système. Et c'est pas normal. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Voilà un pays comme ça, là. Voilà les jeunes. Voilà, les gens vont parler, ils vont dire, oh, il est jaloux. Mais jaloux de quoi, non, mon frère? Parce que moi, j'en envie un député. Je n'en envie même pas un ministre. La richesse, c'est d'avoir accepté le peu qu'on a. Et de pouvoir s'en servir. Ce n'est pas ça le plus important. C'est que quand tu vois le comportement de certaines personnes, tu vois une femme sort de la voiture, elle bouscule le vieux, un vieux policier. Ce qu'on n'accepte pas. Et le comportement du policier aussi qu'on n'accepte pas. Et c'est là où surgit l'intercation entre les deux. Et le policier bouscule la dame. Qu'est-ce que tu peux faire là-bas? Qu'est-ce que tu peux faire là-bas? Peut-être tu croyais qu'on est au Ghana ici là. Tu croyais qu'on est... Nous sommes dans un no man's land. Nous ne sommes pas ici au Ghana ou bien dans les pays anglo-saxons là où on respecte les députés. Ici là on s'en fout de ça. Même l'honorable, j'ai nommé Ninche à l'époque, a été menotté et gardé à vue. Et cela, la seule personne qu'on respecte au Cameroun, là, c'est M. Bia. Il faut qu'on comprenne ça. Ici, la personne n'est rien. Ici, personne n'est rien. La seule personne qu'on fabrique, ces personnes-là, qu'on forme ces personnes,
à respecter. Le seul, c'est Monsieur Bien. Mais oui, le jour où tu fais chier là, on t'envoie en prison. Le jour où tu fais chier là, c'est fini avec toi. Tous ces gens-là, eh bien, on a formé ces gars-là. Non. Même le délégué même de la sécurité nationale, là, le ministre de la Défense, tout ça. Attends, Mebengo n'était pas ça. Il est où aujourd'hui? Mebengo n'était pas ça hier. Il n'était pas secrétaire général de la présidence. Il n'était pas ministre de la Défense. Il n'était pas la sûreté nationale. Mais il est où aujourd'hui? Il ne peut pas aller coucher. C'est pour vous dire que quoi? Ce pays-là, on fabrique l'homme en tenue, on forme l'homme en tenue pour respecter M. Bia. C'est comme ça. Et en tant qu'une femme, tu devais comprendre ça. Et puis ton comportement n'est pas normal. C'est un comportement pas d'un élu. Pas du tout. Je suis désolé. Voilà, on n'encourage pas la violence à la femme. Non, c'est pas normal. Mais, apprenez, non, le silence aussi une réponse. Le silence aussi une réponse. Que le parti se fait bousculer là-bas. Parce que tu sais où tu vas. Et c'est parce que tu veux absolument qu'on te voie. Ah oui. Et c'est vous qui êtes parti donner et crédibiliser ces gens en disant que non, nous on va aux élections. Et voilà ça. Et c'est pourquoi on dit personne ne sera épargné. Mes chers frères et sœurs, personne ne sera épargné. Parce que trop de mensonges dans vos histoires. Trop de mensonges. Trop de mensonges. Un député voyage, il arrive au Cameroun, mais il met que la photo de l'aéroport d'un autre pays. Que je suis arrivé au Cameroun. Enfin, je suis au Cameroun. C'est quoi ça? Montre le pays comme le pays se présente. C'est aussi ça un élu. Pas en critiquant, sans parlant qu'on change les choses. Mais vous avez peur de tout. Et après quelques temps, vous effacez. Vous supprimez la publication. Ça veut dire que ça ne donne pas. Comment vous pouvez être quelque part où ça vous gratte à la gorge, mais vous êtes là? Comment je peux être quelque part? Ça ne va pas avec moi, mais je suis là quand même. Vous voulez que j'appelle mon mari? Non. Le silence, c'est une âme. Tu devais chercher une autre route. Tu pars. Terminé. Tu devais chercher une autre route. Hein? Ou bien c'est que celui qui avait la déviation. Vous allez vous contourner. Terminé. Et si tu voulais montrer que tu es vraiment grande, c'est que celui que peut-être, avec le rythme que vous avez là, vous vous connaissez vous tous. Parce que tous les bandits se côtoient. Ils ont les numéros. On devait appeler, tu devais appeler que monsieur le gouverneur ou bien monsieur le préfet. On m'a barré la route ici là. Et ce n'est même pas normal. Est-ce qu'on a besoin de ça dans une république? Est-ce qu'on a besoin de ça dans une vraie république? Le député utilise sa position de député, son immunité, quand il faut. On ne vous voit jamais quand on casse les habitants partout là dans la ville. On ne vous voit jamais. C'est quand c'est votre cause que vous battez pour dire que non, c'est moi député. Parce que là, c'est toi qui es en train de voyager. On ne vous voit jamais. On ne vous voit jamais quand c'est la cause du peuple. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Et vous voyez, et vous voulez, certaines personnes vont dire, non, voilà une femme, elle a été persécutée, elle a été violentée, les gens ne parlent pas. Mais est-ce qu'elle-même là, elle s'indigne pour le problème des autres? C'est le genre de personnes qu'ils savent que non, on soutient le plus fort, le plus faible là, qui se bat. Le jour qui va devenir grand, hein, nous aussi on va le soutenir. Le jour qui va venir nous rencontrer, si on va aussi se soutenir. C'est les gens parlent que tu vas voir, ils ont apporté leur soutien hier à Martin Camus. À Martin Camus, abandonner la petite Malika. C'est le même genre de personnes. Ils ne sont jamais là pour le peuple. Non, jamais. On m'a donné mon macaron. Les macarons sont arrivés. À partir de maintenant, je vais voir. Mais ma chérie, j'ai vu la vidéo là. J'ai dit que, mais comment ça? Quelle est cette grossièreté? Quel est ce complexe? Quand tu es sûr que le combat que je mène là, ça va m'amener là-bas. Le jour que tu arrives, tu n'as pas le temps. Tu es pressé que ça donne vite. Pourquoi? Parce que tu vieillis, ça te fait vieillir. Regardez l'Obama. Regardez les Obama, Barack Obama. Président, en quelque temps, il a eu les cheveux blanches.
Quand tu as pris le pouvoir, même c'est à 41 ans. Ou bien c'est à combien là-haut? Directement les chevelures blanches, parce que le gars travaille. Le gars travaille. Mais ici, là, on a les députés qui prennent du poids. J'ai un peu pris des kilos avant les élections. Mon ami, tu devais vraiment maigrir. Je parle à ton président de ton parti, là. Mon gars, tu es élu, là. C'est pour perdre du poids. C'est pour perdre du poids. C'est pour être au service de la nation. Monter, descendre. On ne dort pas. C'est ça un pays. C'est ça quelqu'un qui est là pour servir. Donc voilà, nous allons faire la pause de publicité et nous allons continuer tout à l'heure. Au plus tard, dans 3 minutes, on continue tout à l'heure. Là. Donc voilà, nous avons là les super love. Voilà, les produits pour la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Voilà. Voilà, nous avons là les produits, les super love. Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Donc, ne vous dérangez plus. Dorénavant, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà, nous avons le stock en Italie. Nous avons le stock en France. Nous avons le stock en Allemagne. Et bientôt aussi aux États-Unis. Voilà, nous avons aussi le stock au Cameroun. Donc appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Donc voilà ça. Dans chaque paquet pareil, il y a comme ça 6 dedans. Ok? Et quand tu ouvres, ok, pour passer à l'acte, vous ouvrez un sachet. À l'intérieur, il y a les tissus. Le tissu, vous nettoyez votre partie génitale, comme ça, et vous emballez sur le bout de votre zizi. Ok, c'est un tissu humide. Et quand ça sèche 15 minutes à 20 minutes, 15 minutes à 20 minutes, vous enlevez et vous nettoyez la partie génitale avec de l'eau et du savon. Ok, vous nettoyez avec de l'eau et du savon. Voilà, avant de passer à l'acte. Fait à base de plantes naturelles. Fait à base des plantes naturelles. C'est un très bon produit. Voilà. Donc, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Donc, voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. On appelle ça le Digital Saver. C'est un appareil, vous branchez juste là, dans une prise. Vous choisissez un coin de votre maison. Vous branchez, ok? Ça va refroidir les câbles dans la maison. Ok? Et puis, ça va faire en sorte que les câbles ne chauffent pas. Vous savez, votre compteur tourne assez et vos quittances augmentent. Pourquoi? Parce que les câbles, ça chauffe. Et quand les câbles chauffent, avec autant des appareils que vous avez à la maison, c'est tout à fait normal que vous payez, que vos quittances soient exorbitantes tous les fins du mois. Voilà la solution. Digital Saver. Vous branchez juste comme ça là. Et ça va refroidir les câbles et garder la chaleur ici à l'intérieur. Voilà. Et au cas où vous débranchez, ne touchez jamais ça. Sinon, la chaleur qui est à l'intérieur va vous projeter en l'air. Vous risquez même de percer le plafond. Parce que ça garde la chaleur ici là. Vous allez attendre, quand vous débranchez, on ne sait jamais, peut-être vous voulez nettoyer le coin. Hein, quand vous débranchez, vous attendez que ça se refroidisse. Parce que quand vous débranchez, ici est toujours rouge. Ça veut dire qu'il y a toujours l'énergie à l'intérieur. Il faut beaucoup faire attention pour tous ceux qui achètent ce produit. Donc voilà. Nous avons là les thermoflash. Ah, ok, nous avons les thermoflash. Et les produits pour perdre du poids. Voilà, c'est fini. Donc appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà, les produits pour perdre du poids. On a le stock des produits pour la goutte. C'est en France. Donc voilà, je vous conseille ceci, ce produit. C'est un best-seller. Vous ne regretterez jamais. Vous savez, quelqu'un va vous dire, non, mettre l'on sur la femme, ça donne quoi? Non. À un certain âge, on prend de l'âge, on est fatigué. On est fatigué, on regarde sa femme et on monte sur elle. Après 10 minutes, 20 minutes, c'est comme ça qu'on a versé. Donc, voilà quelque chose qui va vous trouver la solution de pouvoir satisfaire votre femme. Parce qu'une femme qui n'est pas satisfaite,
C'est votre porte-monnaie à la maison qui est dangereuse et votre fortune. Parce qu'elle va aller faire avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de votre faute. C'est parce que vous êtes occupé tellement. Voilà. Vous êtes occupé. Ce n'est pas, parfois, vous n'êtes pas malade. Parfois, dans la vie, il faut se faire accompagner. C'est pourquoi, à un certain moment de la vie, les gens se font accompagner. Les gens ont besoin d'un chauffeur à cause de leurs responsabilités. Les gens ont besoin d'un professeur de sport. Pas parce que tu ne peux pas faire des exercices, parce que tu veux être accompagné. Donc, ceci va t'accompagner et c'est fait à base de plantes naturelles. C'est bio, fait à base de plantes naturelles. C'est le super love. Donc, voilà. Donc, revenons à nos moutons. Je ne suis pas content parce que nous sommes dans un pays où... Et vous allez voir tous ces gens-là. Vous allez voir la jeunesse les regarde. Quand Banga Diasura va vouloir parler, ah, grand, tu es jaloux. Oh. Mais on est jaloux quand on n'a pas ce que l'autre a. Mon frère, tu manges trois fois chez toi. Moi, je mange trois fois chez moi. Tu dors sur ton toit, moi, je dors sous mon toit. Où est le problème? Tu voyages, moi aussi, je voyage. Tu vois, je voyage. Tu as le vélo, j'ai le vélo. Tu as la voiture, j'ai la voiture. Vous savez, c'est quand quelqu'un n'a jamais eu tout ça qu'on peut le traiter, qu'on peut le taxer de jaloux. Jaloux par rapport à quoi? Par rapport à que je dis la vérité. Mais je dois dire la vérité. Ça me concerne. Parce que moi, je suis Camerounais. Mon frère, tu ne comprends pas ça. Je suis Camerounais. Et je dois faire bloc à tous ceux qui viennent là. Comme des usurpateurs, comme des imposteurs. Pour amener, pour tirer notre jeunesse dans la désorientation. Dans la désorientation. On doit condamner ce genre de comportement-là et dire la vérité. Que voilà vos jeunes. Ce genre de jeunes-là, est-ce qu'elle peut changer ta vie? Est-ce qu'elle peut lutter pour ta cause? Vous allez l'acclamer, oui. Est-ce que celle-là peut changer ta cause? Un député, ça ne suffit pas. Mettre les forages, non, ça ne suffit pas. C'est bien de faire des dons. Mais un député, c'est quelqu'un qui doit être... Sa maison, c'est l'Assemblée nationale. C'est parce que c'est là où il y a les lois. C'est là où on vote les lois. Ils sont là-bas, on a changé quelles lois? Regardez en Angleterre, comment le Premier ministre, chaque lundi, il part rendre compte. Tous les lundis, il part rendre compte à l'Assemblée. Mais oui, il part rendre compte. Parce que là, on attend. Mais nous sommes dans un pays où vous ne voyez pas les députés poser les questions. Peut-être quelques. Comme j'ai dit là, beaucoup là sont les gens fabriqués. On les a fabriqués. On les a divisés. On les a divisés. Ils se soutiennent le jour où peut-être quelqu'un doit avoir un problème. Mais vous ne voyez jamais quand un jeune a un problème, vous les voyez présents jamais. Vous les voyez jamais. Quand c'est une bonne cause, vous ne les voyez jamais. Vous ne pouvez pas voir l'affaire Malika. Les gens prennent l'affaire et donnent leur opinion. À un moment de la vie, l'homme doit parler. L'exécutif ne reste. On dit, c'est bien beau. Nous passons tous, mais l'exécutif reste. Mais à un moment, on doit parler. On n'attend pas que le pire arrive pour parler. À un moment de la vie, on doit se lever, on doit parler. C'est ça un vrai élu du peuple. Même s'il faut laisser sa vie. Il y a des gens qui ont un mandat. Mais le mandat là, à l'Assemblée, on souffre. Mais oui, mais les gens ont peur, ils ont peur que demain ils ne soient plus députés. Mon ami, avant ça tu n'avais pas de vie. Voilà le fort du Camerounais. Avant ça là, avant d'être député, ministre là, tu n'avais pas de vie. C'est ça qui vous fait vous égarer. Vous croyez même que tout est éternel. C'est pourquoi je vous ai dit parfois là, ayez le courage de prendre vos pick-up, voyagez. Allez vers le Tchad là-bas, vous traversez la frontière, vous arrivez au député. Voilà là où on peut dire député. Donc, tu arranges avec un député du Tchad, un député de la Libye. On vous accueille au fur et à mesure. Vous découvrez le monde. Faites la traversée du désert. Quel est même ce pays-là que vous voyez tous ceux qui nous dirigent même là? Ceux qui sont aux affaires sont les gens qui n'ont même connu la vraie souffrance. Traversez le désert. Et j'appelle les gars de la diaspora. Engagez-vous en politique. Engagez-vous en politique. Donnez vos points de vue. Ceux-là, ils n'ont jamais rien vu que vous n'avez pas encore vu. Comment un gars qui a traversé le désert, traversé la Méditerranée, vient au Cameroun, il a peur.
Non, je ne fais pas moi la politique. Tu es un idiot. Tu es victime de racisme. Tu viens de ton pays, tu dis que tu ne fais pas la politique. Il ne fallait pas te défendre là-bas alors. Il ne fallait pas te défendre. Tu devais voir. Hein? Tu viens dans ton pays, tu es victime du tribalisme. Ailleurs, tu es victime du racisme. Mais ça veut dire qu'on ne veut même plus que toi, tu vives. Et vous voyez, certains viennent au Cameroun et dépensent l'argent. L'argent là, mais tu peux t'intéresser à faire des choses dans ta localité. Tu peux même t'engager. Vous attendez quoi? Tout ce que vous avez peur. Tout à l'heure, vous allez voir certains idiots vont venir là. Eh, vraiment, mon frère, nous on t'aime beaucoup, mais vraiment, ne parle plus comme ça. Je ne parle plus. Donc c'est elle là qui doit parler pour mon pays. Moi, je vois. Donc c'est Cabral qui doit parler, moi je me tais. Ah bon? Donc c'est eux là, que je connais là, qui vont parler, moi je me tais. Moi. Moi qui ai fait. Parce qu'il y a des gens que sont aujourd'hui qu'on découvre. Parce qu'ils sont députés, parce qu'ils sont devenus maires, qui posent certains actes. Donc nous aussi là, qui avons posé les actes depuis là. Donc on ne doit pas parler. Non, non, non. Non, 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 non. I will never shut up. I will never in my life. Avec ce que j'ai vu dehors là dans les pays des autres. Soit tu me tues. Parce que moi je vais trop que parler. Parce que le pays, si ça appartient à tous les Camerounais. Devant moi là, je ne vois personne. Dans ma tête, c'est comme ça. Dans ma tête, c'est comme ça. Dans ma vision, quand je marche, je sais que je suis un Camerounais plein. Oh ouais. Quand vous comprenez, l'Indonésien dit, il dit Negara Saya. Negara Saya. Quand tu comprends, un Libyen dit Djama, un étranger, Djama, Int, Djama. Donc, ça dit que quelqu'un est dans son pays, tu viens chez lui, vouloir imposer, il te dit tu es un Djama. Ça veut dire étranger, en arabe libyen. Quelqu'un va venir me parler dans mon pays parce que tu es soit sous-préfet, soit ministre, dis que tu n'as pas que tu peux dire, si c'est bien. J'applaudis. Si ce n'est pas bien, je donne mon point de vue. Et merci à Facebook. Merci à Mark Zuckerberg. Ah oui. Nous ne sommes pas là nombreux parce que c'est parce que je suis en train de dire quelque chose qui est pertinent. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Toi, tu es plus important que eux. Tous les mois, tu envoies au moins 200 dollars. 300 dollars. Eux, ils sont là pour piller le Cameroun. Et on te dit que tu ne dis pas. Tu ne parles pas pour ton pays. C'est ton avenir qui est en jeu. Si tu ne dis rien, soit tu vas subir. Si tu refuses de faire, tu vas subir. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Si tu ne parles pas de politique, la politique va te faire. Soit tu parles, quand ils arrivent à ton tour, ils t'esquivent. Ils disent que mon frère, laissez le monsieur là passer sa route. C'est comme ça. Sinon, tu vas subir. Sinon, tu vas subir. Tu payes les impôts. Le bien là, donc quand tu es au Cameroun, tu payes là. Il y a les taxes dedans, tu payes les impôts. Le pain. Quand tu envoies l'argent à ta mère, tu payes les impôts. Tu payes les impôts. L'argent que tu envoies à un ami dehors, à l'extérieur, en envoyant, il y a la taxe, tu payes les impôts. Que quelqu'un ne te trompe jamais. Le pain que tu achètes là, il y a les impôts dedans. Tu contribues. Tu contribues à ton pays, à l'avancement de ton pays. Alors que tu as le droit et le devoir. Le terrain que tu as acheté là, que quelqu'un ne dise pas que tu n'as pas payé les impôts. Tu as payé les impôts. Beaucoup même. Tu paies les impôts à l'achat. Tu paies les impôts directement ou indirectement. Certains idiots m'ont dit, est-ce que tu paies les impôts? Mon ami, je paie les impôts. Je paie la lumière tous les mois. On dit, je paie les impôts. Directement ou indirectement. Je vais dans les restaurants. Je paie le carburant. Je paie les impôts. Je paie les impôts. Parce que dans le carburant, il y a la taxe. Il y a les impôts. Quelqu'un va te dire que non, toi ne parle pas, tu es Camerounais. Le fait de dire que tu es Camerounais, c'est bon. Tu paies les impôts depuis le jour de ta naissance. Depuis qu'on t'a enfanté, ta mère a acheté le lait. Ta mère a acheté le lait. Tu as grandi dans le ventre de ta mère, tu as eu 9 mois. Tu sors, les frais d'accouchement, il y a les impôts dedans. Ce n'est pas gratuit. Il faut que tu comprennes ça. Arrête de te taire pour ton pays. C'est comme ça qu'un pays va avancer. On n'est pas obligé de réfléchir de la même manière. Non. Au moins, il faut parler. Sinon, vous allez subir. On va fabriquer les jeunes comme ça là bientôt. Les jeunes comme ça. Ils sont nombreux là. Chaque temps, ils m'écrivent une box. Que grand frère, vraiment, je veux que tu fasses comme ça. Non, on les connaît. On les connaît.
Quelqu'un va dire que non, tu ne payes pas les impôts. Toi, c'est qui? Tu payes les impôts. Tu carbures, il y a les impôts dedans. Tu achètes le pain, il y a les impôts dedans. Tu achètes le lait, il y a les impôts dedans. Tu achètes ton billet d'avion, il y a les impôts dedans. Tu participes, tu vas dans un restaurant manger, il y a les impôts dedans. Qui t'a dit que tu ne payes pas les impôts? Qui t'a dit que tu n'as rien à dire? Il faut souvent raisonner ces personnes-là comme ça. Là. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Oui, ma soeur. C'est quelle manière ça? Nous sommes dans un pays où on fabrique les gens matin, midi, soir. C'est normal ce qui t'est arrivé là. C'est normal. C'est normal. C'est pour vous dire que non. Faites attention. Personne ne sera épargné. Si vous êtes là-bas pour nous. Parce que si tu étais un vrai député qui bagarre pour les causes du bas peuple à l'Assemblée nationale, le policier devait te remarquer. Il reste à savoir si le policier te remarque. Il y a des gens qui restent à savoir si le policier te remarque. Mais oui, il y a beaucoup là qui m'appellent, qui me disent que ah, vraiment on aime ce que tu fais, mais tu sais que je suis comme ça, je suis comme ça. Oui, il n'y a pas besoin de ton soutien. Je sais qu'un jour je vais mourir. Je ne suis ni le premier ni le dernier à mourir. Les plus importants que moi sont morts. Les plus importants sur la terre sont morts. Je vois c'est qui par rapport à Oumniobé, Dola Mangabel, Martin Bossamba, Ernest Wandier, Félix Moumier. Toi tu es qui? Toi, tu es qui? Les partis Lumumba. Mais aujourd'hui, on parle toujours d'eux. Vous pouvez imaginer, chaque jour, combien de personnes citent le nom parti Lumumba dans le monde entier. Vous pouvez imaginer. Tout ça va passer. Les gens ont seulement peur. Tout ça va passer. Le monde sera normal. Les Mumutu étaient plus puissants. Étaient les rois. Étaient les maréchals. Les trucs, ils sont morts. Bon, pour vous faire comprendre que chacun doit mourir un jour. Que même si je meurs avant, ne vous indignez pas pour moi. Voilà, c'est le chemin de tout un chacun. C'est le seul concours que chacun va passer. Mais il faut bloquer tous ces gens-là qui viennent être imposteurs. Ils sont nombreux à chaque jour. Ils sont nombreux. Ils sont dans un pays où les gens fabriquent les faux personnes. L'autre qui a eu à peine le CEP, tu vous voyez bien, ils sont en public, ils disent qu'un enfant qui a 18 ans, il fait terminal. C'est un paresseux. Quelqu'un qui a à peine le CEP, que je ne passe pas son nom ici là. Tu as à peine le CEP, mais tu viens traiter un enfant qui a au moins son bac. Il y a l'âge pour aller à l'école. Est-ce qu'il y a l'âge pour aller à l'école? Il n'y a pas l'âge pour apprendre. Voilà ce genre de personnes là. Ils veulent toujours dire que non, nous sommes du bon côté, nous sommes du côté où vous serez persécutés, vous tous là. Au nom de Dieu, vous serez persécutés. Au dernier jour, chacun dans ce pays va rendre compte. Je m'adresse à vous, ces jeunes-là, vous faites semblant d'être devant la scène pour servir la jeunesse, alors que vous êtes là pour le processus de la longévité au pouvoir. Vous êtes là au processus de la longévité au pouvoir. Et vous allez voir tous ces jeunes-là, ils ne font rien pour la jeunesse. Pour eux, c'est chercher les amis. Avoir de quoi manger, c'est bien pour eux. Quand les élections arrivent, ça bouge là. On les fabrique. Va voir tel, va faire comme ça, va faire comme ça. Les imposteurs. Les imposteurs. Donc regardez le pays là. Un pays comme ça là. Donc nous devons faire attention, nous la jeunesse. Nous devons comprendre que nous avons affaire aux bandes de comédiens. Nous avons affaire aux bandes de comédiens. Ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour eux-mêmes. Ils sont là pour eux-mêmes. Ils ne sont pas là pour nous. Et voilà pourquoi nous ne devons pas croire à eux. Et c'est les jeunes plus dangereux que les vieux. Ce sont des jeunes plus dangereux que les vieux. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Voilà. Désolé, hein, si je ne lis pas les commentaires. Vous savez, quand je fais le live, je mets les commentaires de côté. Je n'ai pas le temps de lire. Voilà pourquoi on dit que quand tu fais quelque chose de sérieux, tu ne veux pas te faire distraire. On ne doit pas se laisser distraire.
Voilà, on ne doit pas se laisser distraire. Parce qu'un vrai député, quand il arrive quelque part là, non. C'est bloqué, il continue son chemin ailleurs. Il continue son chemin ailleurs. Il n'a pas le temps à perdre. Voilà. Lui-même d'abord, il est un modèle, il est un exemple. Il n'a pas besoin d'aller faire le buzz là-bas, semer l'intercation entre... Non. Il n'a pas besoin de ça. C'est ça le vrai député. C'est ça le vrai député. Et on voit le député au pied du mur. Comme le maçon, le vrai maçon, on le découvre au pied du mur. On le voit dans les actions. Les actions concrètes pour la nation. Pas pour sa cause seule. Tu sais qui je suis? Je suis le député. Non! Ça n'a pas sa place. Non, ça n'a pas sa place. Après quelques jours, on voit mon macaron est arrivé. Mais tout ça. Tu veux même supporter quelqu'un, mais après tu te rends compte que, hey, c'est compliqué comme ça là. Tu veux soutenir quelqu'un, mais tu te rends compte que donc c'est compliqué comme ça là. Donc voilà les gens. Donc on a dit le complexe du macaron. Donc sans les gens qu'on a fabriqués, on a donné, que prends aussi ça. La gnome est tombée. Voilà ta part. Voilà les jeunes. Voilà les jeunes. Et demain, vous allez les voir placés dans certaines positions. Si vous ne vous mêlez plus. Si vous ne vous mêlez pas, je m'adresse comme ça à la jeunesse. Moi, je suis un jeune comme vous. Si vous ne vous mêlez pas, vous allez voir, c'est comme ça que ça va se passer. Faites beaucoup attention. Et faites confiance à la jeunesse. Et c'est qu'il suit que le changement, c'est pour bientôt. Mais il faut être prêt pour le changement. Le complexe doit être mis de côté. Il ne faut pas envier tous ces gens-là. N'enviez pas ces gens-ci. C'est les imposteurs. Nanani, nanana, député. Tous ces gens, c'est les imposteurs. C'est les imposteurs. Ils ont changé quoi? Ils changent leur vie. Ils changent leur vie. Parce que la politique fatigue. On ne dit pas que un politicien doit être sale. Mais la politique fatigue. À te faire, tu n'as pas le temps. Tu es occupé. C'est ta vie. Tu bagarres chaque jour. Tu bagarres. Mais au Cameroun, non. Quand on nomme quelqu'un quelque part, ou bien quand on fabrique quelqu'un quelque part, on dit que tu es élu, c'est pour manger, pour changer ta position. Et voilà le comportement là. Et voilà ce qui arrive quand on n'est pas vrai. Quand on n'est pas un vrai élu du peuple. Voilà. Et c'est leur collègue, mais qui avait dit que c'est Kamto qui avait raison. Hein. Oui, c'est Kamto qui avait raison, monsieur. Même comme parfois tu veux retirer ton mot. Mais le mot était là passé. Bah oui. Que c'est Kamto qui avait raison. Mais tu n'as pas dit ça. C'est l'esprit qui est entré en toi. Et c'est sorti comme c'est sorti. Et ça t'a causé la fracture entre tes appés, tes amis politiques et toi. Mais oui. Mais tu as dit la vérité. Tu as dit la vérité. Même comme parfois tu cherches à vouloir tourner, mais tu avais déjà dit la vérité. C'est Kamto qui avait raison. C'est ça qu'il s'agit. Parce que toi, tu es parti en vrai. En croyant que non, là-bas, ça se passe vrai. Ce que tes gars vont faire là, c'est vrai. Non. Ce n'est pas vrai, ce qu'ils font. Ils sont là pour eux. Ils sont là pour eux-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. Même quand parfois, tu n'es pas cohérent. Tantôt, je regrette d'avoir... De mettre... à engager en politique. Non. Un homme politique ne dit pas ça. Tu ne peux pas dire que je regrette... De m'engager, de mettre engagé en politique. Et après, on te voit, tu es dans un nouveau parti politique. Après que tu n'es pas cohérent. C'est d'ailleurs comme ça le début toujours du mensonge. Voilà. Quand on s'engage, on est engagé. Et le jour qu'on dit qu'on regrette, ça veut dire que le lendemain, on dit que bon, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus la politique. Voilà. Mais si on dit qu'on regrette, d'avoir participé à la politique de son pays. Mais quand on va jusqu'au bout, c'est clair. Quand on va jusqu'au bout, il ne sert à rien de dire je regrette et demain encore on te voit, tu es en train de faire d'encenser notre parti politique. Ça n'a pas sa place. Désolé. Donc voilà. Par mon point de vue que je voulais dire, et je ne suis pas du tout content, il ne faut pas faire confiance à tous ces gens-là. Ce sont des imposteurs. Pour tous ceux qui veulent m'appeler, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98.
Ciao.